Reboisement, la BFVSG à l'œuvre. Le traditionnel reboisement a réuni le personnel de la BFVSG, des agences d'Antananarive, ainsi que quelques représentants des autres régions de la Grande Île à Mbuizanaka aujourd'hui. 6000 jeunes plants ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares. Vous avez pu le constater, il y a 250 personnes de la BFV qui nous ont rejoints ce matin pour cette opération reboisement. Ce sont des opérations qui sont menées chaque année depuis je crois c'est une quinzaine d'années. La BFV est fortement engagée dans tous les problèmes environnementaux. Je crois que c'est un problème de responsabilité aussi sociétale. Donc nous faisons le maximum chaque année. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'il y a une prise de conscience quand même à Madagascar des dégâts qui ont été occasionnés sur les forêts, puisque la déforestation est quand même dramatique. Et d'une façon plus générale, les Malgaches ont pris conscience de ces problèmes. Les problèmes de la forêt, c'est une réserve de carbone importante. Et que la prise de conscience, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors la BFV et son personnel apporteront leur contribution au maximum. Je crois que vous avez une belle démonstration aujourd'hui, ce qui prouve aussi l'esprit de solidarité des équipes. Toujours selon les explications, la BFV compte actuellement 44 agences dans tout Madagascar. Cela fait 15 ans que le personnel de la BFV accomplit son devoir de citoyen en matière de reboisement du côté d'Apagabé. Actuellement, il a choisi Mbuizanak, toujours dans le souci de préserver l'environnement. D'ailleurs, cette société a déjà une équipe qui est chargée de l'entretien des plants mis en terre. Elle travaille également avec les villageois.